Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Bonjour Nabila. Soraya, madame, monsieur, bonjour. À la une de l'actualité, à quelques jours du 7e sommet des pays exportateurs de gaz à Alger, le président de la République adresse un message aux participants. Il met en avant l'engagement ferme de l'Algérie à assurer le succès de ce rendez-vous majeur. Les préparatifs du GECF sont valorisés par la mise en place d'un site web dédié à cet événement. Il contient plusieurs fenêtres scientifiques et journalistiques et offre un espace d'information détaillé sur le sommet. Poursuivant sa visite en Arabie Saoudite en sa qualité de représentant du président de la République, le général d'armée Saïd Chengriha souligne la volonté de promouvoir la coopération militaire entre Alger et Riyad à de plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf reçoit un appel téléphonique du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Gaza au menu des échanges, l'accent mis sur le projet de résolution soumis par l'Algérie au Conseil de sécurité. Cela fait exactement 4 mois, jour pour jour, que les Palestiniens subissent un véritable génocide. Le bilan est lourd, plus de 27 000 martyrs, 66 000 blessés, une situation humanitaire chaotique et 195 monuments détruits. Chez nous, depuis Ain Defla, le ministre du Commerce appelle les opérateurs économiques à établir des partenariats fructueux pour promouvoir les échanges commerciaux et économiques. Et en sport, la 34e Coupe d'Afrique des Nations a atteint le stade des demi-finales avec deux belles affiches ce soir. Le Nigeria affrontera l'Afrique du Sud et le pays hôte, la Côte d'Ivoire, rencontrera le RDC, programmé respectivement à 18h et 21h. Bonjour à toutes et à tous. Le 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz, l'Algérie est déterminée à en faire un véritable succès. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, rappelle dans un message qu'il adresse aux participants qu'il se tient dans un contexte géopolitique de crise. On fait le point avec Cheikh Benzaoui. Un sommet qui se déroule dans un contexte où l'accent est mis sur le gaz naturel en tant que source énergétique alternative et propre, respectueuse de l'environnement. L'engagement ferme de l'Algérie à assurer le succès de la 7e conférence des pays exportateurs de gaz a été réitéré par le président de la République dans son discours de bienvenue et elle passe par la mise en avant de toutes les conditions nécessaires. L'Algérie, qui abrite le siège de l'Institut de recherche sur le gaz, qui contribue à l'organisation des opérations d'exportation et au maintien de l'équilibre du marché international, demeure un acteur important de l'industrie gazière mondiale grâce à ses approvisionnements importants et abondants. Ce sommet se veut également, selon le chef de l'État, un important espace de coordination et de dialogue autour du rôle du marché gazier, particulièrement en ces temps de crise. Il s'agit de trouver des solutions à la crise énergétique mondiale, mais aussi renforcer la coordination entre les pays exportateurs de gaz pour évaluer le marché en termes d'offres, de demandes et connaître la tendance en cours en cette conjoncture économique délicate marquée par des tensions géopolitiques qui impactent la navigation en mer Rouge et en Méditerranée et affectent les quantités transportées vers l'Europe. Il est impératif donc aujourd'hui de trouver des solutions alternatives devant ces défis sans précédent, à même de recomposer la carte mondiale de l'énergie dans laquelle l'Algérie devrait jouer un rôle primordial, d'où l'importance accordée à la réussite de ce 7e sommet d'Alger par le président de la République. Et les préparatifs pour le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz vont bon train. Un site web dédié à l'événement est lancé. Il est opérationnel depuis hier. La plateforme propose tout type d'accommodations et de services aux participants des quatre coins du monde. Ce site est aussi un espace informationnel entre les organisateurs et les participants. Samir Ellou nous en parle ce matin. Un portail électronique pour accueillir dans les meilleures conditions les participants au 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz qui se déroulera ici, à Alger. Un espace informationnel qui vise à faciliter le déplacement, l'accès aux différentes accommodations, ainsi que la possibilité de suivre le déroulement des travaux et des activités durant toute la durée de cet événement d'envergure. Mohamed Hamel, secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz. L'accueil de l'Algérie témoigne de son rôle de leader dans le secteur du gaz naturel. La participation active de l'Algérie en tant que membre fondateur du Forum souligne son engagement et son impact dans l'industrie du gaz naturel. Je tiens à remercier les membres de la presse et des médias pour leur grand intérêt pour le sommet et leurs efforts considérables pour couvrir ces activités. Un espace virtuel pour garder un contact constant entre les organisateurs et les participants, les médias, la presse, chargés de la couverture ou voulant couvrir l'événement, dispose d'un onglet
clé qui leur est dédiée. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines. Nous sommes à quelques semaines de l'événement marquant que l'Algérie va accueillir. Le site dédié à ce sommet présente des informations générales sur l'Algérie et sur le lieu de la tenue du sommet. Il sert de lien entre les organisateurs et les participants venus du monde entier pour s'informer également sur les défis actuels et futurs liés au domaine du gaz. Il est question de faciliter la communication, l'échange d'informations au sein de cet événement très attendu, mais également à fluidifier l'accès aux transports, aux services de santé et bien d'autres fonctionnalités disponibles directement sur la plateforme numérique, sur ordinateur ou sur smartphone. Coopération militaire renforcée entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Poursuivant sa visite en Arabie Saoudite en sa qualité de représentant du président de la République, le général d'armée Saïd Chengriha souligne la volonté de promouvoir la coopération militaire entre Alger et Riyad à de plus haut niveau. Saïd Chengriha a notamment été reçu par le ministre de la Défense saoudien. Il a également visité des institutions militaires du royaume. Et en sa qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie vient de rejoindre la commission de consolidation de la paix de l'ONU pour un mandat d'un an. Les trois membres africains au sein du Conseil de sécurité disposant d'un seul siège à cet important organe consultatif, notre pays a été choisi pour y représenter le continent africain. Et les développements de la situation à Gaza au cœur d'un appel téléphonique entre le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf et son homologue américain Anthony Blinken. Lors de cet échange, l'accent a été mis sur le projet de résolution soumis par l'Algérie justement au Conseil de sécurité sur instruction du président de la République. Le but du texte est de donner un effet exécutoire à l'ordonnance de la Cour internationale de justice sur les mesures conservatoires qui s'imposent à l'occupation sioniste. Le document rappelle que ce projet de résolution vise principalement à établir un cessez-le-feu durable à Gaza, à assurer la protection des civils et à promouvoir l'accès sans entrave de l'aide humanitaire. De même, ce projet devrait réitérer le rejet du Conseil de sécurité des tentatives de déplacement forcé des Palestiniens en dehors de leurs terres. Les deux ministres se sont promis de maintenir les contacts nécessaires entre eux en fonction des développements sur le terrain et au sein du Conseil de sécurité. Anthony Blinken, qui, je vous le rappelle, effectue actuellement une tournée au Proche-Orient. Il doit notamment rencontrer les dirigeants sionistes, ainsi alors que le chef de la diplomatie qatari a annoncé un projet de cessez-le-feu avec le mouvement de résistance palestinienne, le Hamas. Et pendant ce temps, le génocide sioniste à l'encontre des Palestiniens se poursuit. L'armée d'occupation cible les civils et encercle les hôpitaux et les lieux de camps de réfugiés. L'armée d'occupation qui se targue d'être la plus professionnelle du monde, selon les propos du premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu, a causé la mort de plus de 27 000 civils razaouis et fait 66 000 blessés depuis le début de l'attaque sioniste. Une véritable provocation, explique le journaliste palestinien Ramzi El-Beyrouti. Il en parle à Karim Abnour. Malgré la grande différence qu'il y a entre l'arsenal militaire sioniste, les armes, l'artillerie militaire, les fusils de guerre ainsi que les missiles intelligents, comparé avec les moyens de combat simples utilisés par la résistance palestinienne, la différence réside dans l'éthique de la guerre qui est énorme. L'occupant sioniste cible délibérément les citoyens palestiniens isolés, il tue les femmes et les enfants, il assassine des vieux, il détruit les infrastructures. Alors qu'en parallèle, la résistance palestinienne mène un combat propre contre l'armée sioniste et ses chars qui se sont installés dans la bande de Gaza. Cette grande différence, le monde entier en est conscient, même si l'armée sioniste prétend être la seule institution morale dans le monde. Et tout ce qui se passe a prouvé qu'il mentait. Et ce qu'il pratique est qualifié de crime de guerre horrible. Et puis des frappes israéliennes sur la région de Homs au centre de la Syrie ont fait 5 morts dont 3 blessés selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Bombarder les civils, les affamés en empêchant l'arrivée de l'aide humanitaire ne semble pas suffire. Il s'agit de décimer le peuple palestinien Gaza. Les symboles historiques et identitaires ne sont pas épargnés dans la folie meurtrière. 195 monuments ont été détruits. Damtari Diliani, analyste palestinien, en parle à Linda Hamed.
Dans la bande de Gaza, l'occupation tente de détruire le patrimoine et tous les sites historiques palestiniens et qui sont considérés comme les témoins du lien entre les Palestiniens et leur terre. L'occupation a détruit sciemment 195 sites historiques dans la bande de Gaza depuis le début de ce génocide, notamment un édifice historique dont la construction date d'avant Jésus-Christ et qui a été restauré en la célèbre mosquée Omar ibn al-Khattab. L'occupation sioniste a également détruit la troisième plus vieille église du christianisme, des sites historiques byzantins, romains et islamiques et trois musées qui conserveraient des objets historiques liés à l'histoire de Gaza. Malheureusement, même les centres culturels et d'études de recherche de patrimoine ont été détruits. Retour chez nous. Depuis Ain Defla, le ministre du Commerce Taïeb Zitouni appelle les opérateurs économiques à établir des partenariats fructueux pour promouvoir les échanges commerciaux et économiques. Améliorer le climat des investissements était également l'un des objectifs de ce déplacement. Le ministre a visité trois modèles d'investissement, l'algérien, l'égyptien et le tunisien, situés dans la zone industrielle de Ain Defla. La correspondance de Lima Rahmani. Trois modèles d'investissement à la zone industrielle de Ain Defla visités par le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations. Des modèles très réussis selon le premier responsable du secteur, Taïeb Zitouni. Je pense que la wilaya de Ain Defla a fait des pas géants et a créé un environnement propice et favorable pour développer et soutenir l'investissement. On n'est pas dans une zone où l'investisseur uniquement il est algérien, de nationalité algérienne. L'investissement il est multinational et dans cette zone, on a vu trois modèles d'investissement. On a vu d'autres nationalités pour lancer l'investissement. Tout ça, ça prouve qu'il y a une volonté politique pour développer et accompagner l'investissement dans tous les domaines. La société El Suidi, c'est une société qui a investi 200 millions de dollars. C'est une société qui a trouvé un gain très favorable, qui exporte déjà. Mais je pense qu'il y a aussi l'injection de 500 millions de dollars pour l'investissement. Et les Tunisiens qui sont là, qui veulent élargir leur champ d'investissement et le champ de couverture nationale et en même temps l'exportation. Exemple de l'investisseur algérien, une unité de transformation et recyclage du plastique qui est rentrée en exploitation en 2017. Avec le transformateur, que je dois remercier d'abord, parce qu'il importe uniquement pour 600 000 dollars, il exporte pour 3 millions de dollars. Je pense que c'est ça l'exemple qu'on cherche. D'abord, il rend service à l'environnement, ce qui fait de la récupération. Deux, on est en train actuellement d'importer 1,5 milliard de dollars de matières premières de plastique. Lui et autres, on est en train de récupérer 40% de cette masse qui est jetée déjà dans la nature, on est en train de la récupérer, transformer et la rendre utile dans le marché national. Ça, c'est un gain supplémentaire. Ensuite, on exporte à 80% de ce qu'on importe. Et le jury de la 7e édition du Grand Prix Assia Jabbar du roman 2024, composé de 7 membres, dont des universitaires, des critiques littéraires et des écrivains, a été installé hier à Alger. Les lauréats seront révélés lors d'une cérémonie de remise des prix programmée pour le 30 juin 2024. Sid Ali Fares. Fatma Zahra Emelayen, connue dans la scène artistique avec le nom Assia Jabbar, d'origine de Tipaza, elle a marqué l'histoire de la littérature contemporaine avec des œuvres impressionnistes. Elle a écrit des romans, des scénarios, même des pièces de théâtre. Le président du jury du Grand Prix Assia Jabbar du roman cette année, Abdelhamid Bourayo, revient sur les travaux de Assia Jabbar. Je suis de la génération de Assia Jabbar. J'ai consommé beaucoup d'œuvres qui a travaillé et les thèmes. Je considère Assia Jabbar comme écrivaine et scénariste, femme de théâtre, qui a donné beaucoup pour ses modes d'expression, pour exprimer les problèmes de la société algérienne. L'importance du Grand Prix Assia Jabbar pour cette nouvelle génération d'auteurs. Je crois qu'il y a des productions intéressantes dans le domaine du roman. C'est une continuation de la production romanesque algérienne qui a débuté par Assia Jabbar et Mohamed Dib, Mouloud Mamri, Katbi Yassine, Firaoun, Ben Hadouga, Tahar Ouattar. La nouveauté de cette 7e édition du Grand Prix Assia Jabbar. Nous assurons la continuation de ce prix. La nouveauté, c'est ce que nous allons voir dans les œuvres que nous allons réceptionner. La cérémonie de remise du prix Assia Jabbar sera le 30 juin, l'anniversaire de la naissance de la grande autrice Assia Jabbar.
Et sans transition, on passe au sport. La 34e Coupe d'Afrique des Nations 2024 a atteint le stade des demi-finales avec deux belles affiches. Ce soir, le Nigeria qui affrontera l'Afrique du Sud et le pays hôte, la Côte d'Ivoire, qui rencontrera la RDC, programmée respectivement à 18h et à 21h. Voilà, c'est la fin de cette édition réalisée par Aïssa Abdelrahman. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, le point météo avec Soraya Zentar. Le prochain point complet, 8h avec Walid Selman. Très belle suite des programmes sur Alger Chaîne 3.